Fais coucou. Bonjour. Pour les Belgiens. Coucou, il est malade Jérémy. Je suis malade mais on va gagner quand même. Gagner carrément. Avec vos beaux t-shirts. Ça va être compliqué. C'est quoi? La natation. Bon, tu nages bien pourtant. Non, je nage pas bien. Je sais nager. C'est ça. Je sais nager pour... Putain, ça me fait penser. Survivre. Hein? Combien des hits il y a d'espace entre les pour voir la durée du vol? Ah oui. Savoir si on va nager beaucoup. Quoi. Si on recommence par la natation? Ouais. Je vais jeter ça. Ouais. On reprend la route après? Tu sais que les vidéos, c'est ce qui prend le plus de place. Et regarde, il reste 5h30. On est arrivé après 8 heures de route. Ouais. C'est rien. Fais voir la pancarte. La pancarte. Yes. Regarde. Ils ont vraiment des rangées, je trouve. C'est chouette là. De la brique, de la brique, de la brique. On est arrivé à l'appartement. Elle nous laisse les clés. Elle nous laisse les clés dans une enveloppe. L'enveloppe le 14. Pour te dire un petit peu le peu de délinquance, je pense qu'il y a. Étant donné que tout le monde peut prendre cette enveloppe. Et c'est ça qui m'interpellait, c'est ça que je comprenais pas. On va vérifier. On arrive dans l'appartement. C'était la boîte aux lettres numéro combien? 14, je crois. Boîte aux lettres 14. 13, 14. Il y a une enveloppe. Avec les clés dedans. N'importe quel migrant pouvait rentrer et de faire un carnage. Voilà. Les migrants, les copains de Jérémy. Et maintenant, on le sait. Donc on va revenir, des Français. Allez, bah ouvre. Putain. Je te sens bien enfant. Ah oui. Donc, attends, il n'y a pas la mise au point. Non, c'est super important. La mise au point, elle ne se fait pas. Vas-y. Alors, il y a un colis. Et une lettre, non, un colis surtout, c'est ça qui est important. Tout le monde peut le voler. Il est posé dans le hall d'entrée, accessible à tout le monde. Donc les gens ont confiance ici. Il y a de la sécurité. Et viens voir, on va voir. C'est hyper étonnant. Par contre, ça me choque un petit peu parce que ils sont un peu trop rangés. C'est pas rock'n'roll ici. C'est marqué. Je pense qu'on est déjà, on est un peu brouillant. Entrée interdite aux mendiants et aux colporteurs. Ils entendent quoi par colporteurs? Ceux qui ont des maladies sexuellement transmissibles? Je sais pas. Ouais. Il y a une odeur assez belle. Ah, c'est quand même pas mal. On est quand même correctement. Ouais, correctement galopé. On va allumer pour faire un petit peu plus de lumière. Ça, c'est tout frais payé pour les FBI. Les FBI va se gaver là. J'ai payé le plein pour venir. Elle alors. Va prendre 5 kilos. C'est sûr. Voilà. Alors, le salon, salle à manger. Putain, c'est pas mal. Hein. La petite cuisine. Ça doit être les WC là. Ce qui est important, c'est qu'il y a de la lecture pour Jérémy Fontaine. Regardez. Pour qu'il dorme, parce que Jérémy Fontaine. Attends. Jérémy Fontaine. Jérémy Fontaine, il y a de la lecture pour Jérémy Fontaine. Jérémy Fontaine a du mal à dormir. Donc ce soir, on va lui raconter l'histoire de Noël de petit agneau. L'histoire de Noël de petit agneau. Voilà, on te la racontera ce soir, on filmera ça. On va te border. Alors ensuite. Il y a les chambres. Ah, bien la salle d'eau. Petite salle de bain bien mignonne. Avec un deuxième toilette, donc ça c'est cool. Il y a deux toilettes. Coucou. Ensuite là, une première chambre. Ici on est en sécurité, on peut ouvrir. Les migrants ne viendront pas. Ouais, ouvre un peu, ça pue. Et la deuxième chambre. 35 euros de valeur. Ouais, en fait, c'est donc des shakers Prozis avec de la whey dedans. De la whey Prozis. Bah à mon avis, ouais. De la pub pour de la bière. Les t-shirts des Belgianes. La base. Ça c'est pas mal. Ensuite, ça c'est quoi, t'expliques? Alors, ça apparemment c'est pour faire un... Regarde, c'est écrit derrière.
C'est pour faire un bilan complet de voilà, ton taux de masse grasse, ton taux de masse musculaire et tout. Donc on en saura plus demain. Donc valeur 35 euros. Hop. Ensuite, un petit caf chocolat latte. Ça, c'est pas moi. De la Red Bull. Un petit bracelet box pété. Des barres de protéines. Bon, pas grand chose. Des petits stylos. Un bonnet de bain. Et des serviettes. Un bonnet de bain. Bonnet de bain à 3 euros. Des serviettes. De bière. Essaye ça, je... Le bonnet de bain de Jérémy. C'est bon ? Ça s'enfile comme un préservatif. Donc alors, comme ça, donc la tête c'est comme si c'était le gland. Et là on va choper la tête et dérouler. Yeah ! Presque voilà. Du premier coup. T'as vraiment une tête de bite, c'est le cas de le dire. Ça va, Jérém ? Ça va, je vais me lever. On me force à mettre des freins que j'ai pas. Départ pour le premier jour. Ça file. C'est parti. C'est parti pour le jour 1. Ils sont motivés. On a. Allez,
Allez, Chris. C'est quoi là? Là où il y a le droit, il y a le droit. Tu vois dans l'image. Je savais pas manger. Alors, première impression? Un peu déçu. Ah ouais, déçu pourquoi? On avait une place pour 3 heures. À la fin, c'était un peu la cacophonie. On savait pas trop combien de temps il restait. Donc, du coup. Pourtant, vous étiez premier tout le long. Premier tout le long, et à la fin, on s'est fait doubler. À 3 reps près. On a fait transition sur les squats. Cycle d'apnée, hein, parce que. Et l'apnée, c'est horrible. Ça change le mode. Ah bah oui, voilà. C'est dès que tu sors d'apnée, t'as un petit. Tu retiens ta respiration tous les 5 mètres. Et t'entends ton bas, ton cœur qui bat à l'intérieur de toi. Et tu sais, il y a. Attends, ça. Et moi, tu sais, ça floue. T'as l'impression que tu vas mourir. Je suis désolée, je suis en train de filmer là, en fait ils viennent de partir les gars. Donc du coup c'est EZ et S. Et si... Oui. Oui, donc là sur le sens de la phrase comme je t'ai envoyé, c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Et ben je veux dire en gros, restez connectés les gens, en gros ça veut dire attendez de voir... Ouais, tu, en gros, rester connecté pour attendre les nouvelles d'Adversus, quoi. D'accord. D'accord. Et le reste, il n'y a pas de faute, alors? Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je te rappelle après, si tu veux, mais là, c'est que je suis en train de filmer, ils viennent de partir. À plus tard. Ils sont où, ils sont là. Je les ai perdus. Bah. Ah oui, Jérémy avant. Allez, Jérém, c'est bien ça, allez! Très bien! On peut voir, là! Allez, Jérém! Déjà, j'ai l'impression de pas avoir d'énergie dès le début. Francine Brugge, light comme chocolate. Je suis parti. Quand je suis parti, je me sentais pas bien. Dès le début. You have 2 minutes to get here. C'est que 3 tours, tu t'accroches. Et ce qui fait mal, c'est quand il y a des petits qui doublent. Et t'essayes de les tenir et tu te dis, je vais peut-être les rattraper à la fin. Mais tu les rattrapes pas. Des fois, tu rattrapes un peu, tu reprends un peu la distance sur les obstacles. Mais après, dès que l'obstacle est franchi, il suffit qu'il soit 5 mètres devant toi et vu que toi t'es à 100%, t'as pas la force d'aller accélérer pour chercher un mec. C'est sympa les obstacles en tout cas. Honnêtement, quand t'arrives devant cette paroi, tu te dis oulala comment ça va passer et au final boum ça passe tout seul. Mais je comprends que des fils passent pas. Mais quand t'arrives devant cette paroi, t'as l'impression qu'elle t'arrive là. Bah elle t'arrive là. T'as l'impression que c'est un peu hyper raide.
You need it as a staging area. La première fois. Mon premier passage. Now. J'ai tellement eu peur de pas le passer que j'ai mis tellement de puissance que je suis monté directement, j'étais bras tendus en haut. J'ai kiffé. Et toi, Jérém? Ouais, je fais baisser. Non, mais c'est pas grave, gros. T'inquiète. Tu vas le faire remonter sur le max, t'inquiète, chacun ses points forts. Chacun ses points forts. Comme une tortue. T'es la même couleur en plus. Je suis pas agile du tout, je perds trop de temps sur les obstacles. Je pense pas que je suis dégueu sur le run, mais sur les obstacles, je suis trop. Ah ouais, t'es lent. Affreux, je me suis. Sur les trucs où faut sauter, là, tu sais, mettre les pieds après l'autre. Là-bas, je me suis fait doubler tout le temps. Ouais, c'était très lent. Je pense pas être plus lent que les autres. Enfin, un petit peu, mais ça va. Sur les deux premiers. Mais sur les obstacles, je suis une grosse bite. Sur les deux premiers passages de. Tu sais, ils ont tendu des câbles et il faut passer. Ouais. J'ai fait le con parce que les deux premiers tours, moi, je passais. Un câble par un câble. Et j'ai vu que sur le dernier tour, que si j'envoyais un peu plus, je pouvais aller chercher deux par deux. Ah. Tu vas deux fois plus vite. Bah ouais. Et moi, je me suis fait doubler là-dessus sur, par pas mal de mecs. Je faisais un câble, un câble, un câble. Et les mecs, ils les enchaînaient deux par deux. Et ouais. Ça, j'ai compris qu'à la fin. Tant pis, pour la prochaine fois. Je cherchais trop à m'appliquer là-dessus pour pas. J'avais tellement peur de. Tu sais, de me prendre le câble dans les pieds et de perdre du temps pour ça, que j'ai trop cherché à m'appliquer. Ouais. Mais bon. C'est pas très grave, vous ferez mieux sur le reste. Oui, oui, c'est bien. Et le t-shirt confortable pour courir? Ouais. Moi, je t'avoue qu'au bout du troisième tour, j'avais envie de le quitter. Le bah ouais, il fait chaud. Il fait chaud. Mais bon, je l'ai gardé. Bah ouais, et là, t'as envie de tout enlever, hein, que ce soit du coton, pas du coton. Oh oui, là, Adversus, Nike, peu importe. T'as envie de quitter là. Quand t'es au soleil, il fait chaud malgré tout. On avait froid ce matin, mais là, il fait chaud. Jérémy. C'est bon. Tu m'as trouvé beau, toi? Alors, t'es déçu? Tu es. C'est passé quoi sur les Toast to Bar, là? Tu es belge. Ils se sont acharnés sur nous trois juste pour nous dire nos reps, nos reps, nos reps. À côté, tac, 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 tac. Comptez toutes tes reps. On a fait 100 Toast to Bar, 870. Enculé, ça me fait des fous. Fini dernier, mais c'est même pas à cause de notre niveau, ça, quand tu joues. Mais vous en rajoutez à chaque fois? Mais tu déclenques qu'il n'y a pas autant de reps. Bah oui, moi je comptais 9 à chaque fois, au lieu de 7. Full no rep, no rep, no rep, no rep. C'est fait, mais démonter. C'est dégueulasse. C'est injuste. Enculé de paix. Alors, tes impressions? Alors, on s'est pris beaucoup, beaucoup de no rep sur les postes bas. Des fois, je comprenais pas pourquoi. J'ai l'impression que notre juge superviseur qui allait voir notre juge en disant il lui a mis un peu de pression. Au début tout était rep. Et le mec, le juge suprême est allé le voir et il lui a dit no rep, no rep, no rep. Je sais pas s'il y avait no rep. Enfin, il devait y avoir no rep si vous voyez no rep. Je vais pas être parano. Mais moi perso je voyais pas beaucoup de no rep. Hein. Ah ouais? J'en voyais pas même. Ouais, je comprenais pas pourquoi, mais on a mangé. Et je comptais, c'est bien 7 reps normalement ouais. Qu'il fallait faire à chaque fois. Je voyais au moins 9, 9, 10. Je fais, mais ils en font combien là? Ouais, en fait, Et moi, personnellement, au début, quand la corde a sauté, je l'ai récupérée, j'ai pas compris. Ah ouais, t'as fait de la merde au début? Ouais, et j'avais l'impression qu'il y avait pas de. Qu'elle était toute molle la corde. Et je sais pas si je touchais. Peut-être que je touchais la cage derrière, je comprenais pas, elle était molle la corde. Donc j'ai fait pas mal de. Après, par contre, ça allait. J'ai tout fait broken, sauf le premier round, j'ai coupé 4 fois. Je comprenais pas pourquoi. Là, Jérémy, il est énervé. Bah, je sais, je... il l'a dit. Voilà, donc les athlètes préparent leur barre. Ils ont 7 minutes pour réaliser chacun le poids le plus lourd possible sur le clean and jerk. Alors qu'on a une première barre à 100 kg ici. Très facile pour CrossFit Apeldoorn. Alors que Upsi et Hansi pensent que Upsi vient de faire 110 kg. Ok, a second barrel, a twin barrel pour CrossFit Apeldoorn is smoke in under kilo. Voilà, que bon du tout, rhinocéros qui stabilise sa main.
j'en vois rien, ça m'énerve. Je me mets en haut. Pour le deuxième journée, on se prépare pour aller souffrir. Je sais pas quoi dire d'autre. Dernier jour, il reste 2 WOD. Ils sont 16e suite à l'erreur de jugement, on va dire. Non. Et toi, t'as un truc à dire? Bah, j'ai pas quelqu'un. On va tout arracher. Voilà. On va passer de la 16e à. J'espère moins la 15e. La 10e, ce serait bien. Non, la 10e, c'est possible. Si on refait premier sur un road. Les points sont serrés. On verra. Donc c'est faisable. Bon, bah, à voir alors. Ouais. Ça se dope. Oh. Il y a de la caféine, là. Non. On a déjà tout pas mal avec la radio. C'est vraiment une organisation, mais. Interdit de s'échauffer, mais pas le cœur. C'est triste. Et même au Luston pour s'échauffer, c'est un peu tout moyen. Ta belgienne, ne sont pas capable de commander plus de plates pour l'échauffement, c'est un peu limite. C'est vrai. Enfin, c'est bien beau de nous présenter des yo, des machins, mais les plates, c'est quand même pas cher. Un petit mot. Enfin, c'est là, on passe dans moins d'une demi-heure. Dans 20 minutes, dans moins d'une demi-heure, on n'a pas le temps de s'échauffer. C'est inadmissible. Inadmissible.
Alors ? C'était bien. Je pense qu'on a été pas mal. À voir après avec les autres. Tu nous as trouvé comment toi ? Bah ça va. T'as vu, j'ai demandé au photographe. Ouais, j'ai vu. J'ai vu le premier pendant aussi et tu l'avais pas. Mais bon, t'avais chaud, c'est normal. Bah oui. Jérém, il a été pris aussi avec. J'ai gardé pendant un tour. Après, j'ai ouais, j'ai vu. Je me suis senti bien avec ça. Bah oui, c'est normal. N'importe quel t-shirt. T'en as pensé quoi ? C'était dur ? C'était dur, mais... Je sais pas si on rattrape des gens à 80 kilos. T'es allé plus vite sur les jerks, toi. C'est quoi ? T'es allé plus vite sur les jerks. C'était très dur à 80 kilos. C'est pour ça que Jérém, il fallait absolument que je fasse 4 hangs. Il m'en reste seulement 3 et que je puisse jerker, sinon c'est impossible. Et maintenant, j'ai très mal à l'épaule. Mettre du froid, t'as du. C'est une vidéo. C'est une vidéo. Vidéo. It's like losing it. 3 minutes, no stop. Look, it's close.
Il reste exactement 20 secondes. Come on, guys. Come on. Come on, guys. 2, 1. Allez, go, go, go. Faudrait aller un chouïa plus vite là. Tu prends trop de temps, Jérém, allez! Ah là là. Allez, Jérém, allez! Utilise le rebond. Enfin, dans l'herbe, il n'y a pas de rebond, mais. Chut! Allez, Jérém! Encore, encore! Number 8. Ah ouais, bien, c'était trop cool. Pour la team de CrossFit Aspedia. Super, Jérém Bonicari. Les number 9, Thunder Cats de CrossFit Da Vinci. Je sais pas si on entend avec le son. Les number 10, Clocks M. Bain de Lorix Bernard. Trop cool, franchement j'ai kiffé sous le soleil et tout. Ouais. Là, on va chercher le juge pour savoir s'ils si en bon, très bien. C'était génial. Les gars, contents d'être qualifiés en finale? On est ultra ravis. Ça se voit. En fait, ce qui fait chier, c'est qu'on pouvait être sur le podium ce soir et qu'on le sera pas. Ce qui fait chier, c'est que ouais. On est qualifié en finale, mais il faut faire le vote pour les finales. Ouais. Faut faire le WOD, ouais, c'est vrai. Le WOD, c'est 30, donc il y a 3 ateliers. 3 sessions. 3 sessions. Bah, c'est 2 en même temps. Non, section. Il y a 2 mouvements par session. Non, à la fin, il y a 3 sessions. Ouais, à la fin, la 3ème session, il y a 4 mouvements. On peut passer en même temps sur chacun des mouvements en même temps parce qu'on a chacun un jeu sur chaque session. C'est 30 muscle up et 20 arrachés à 60. Ring muscle up. Ring muscle up. Ensuite, la session 2, c'est 50 calories de squire et 15 arrachés à 70. Et la session 3, c'est maximum c'est 10 arrachés à 80. Autant dire que ça va aller très vite. Tu confirmes? Là, ça va aller très vite, ça fait 5 touch and go chacun à 80 et c'est fini. Il fera pas. T'en fais pas 5 à 80. Si on les fait un par un, on ne fera pas énormément de récup, mais on peut chacun être pas. Non, mais on fera pas 5, hein, c'est... En gros, je fais un snatch à 80, 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 je fais un snatch à 80. Moi, si je suis chaud au YouTube, je peux même essayer de doubler la première. On verra. Faites un coucou. Un coucou. Attends, je filme. Ah, j'ai pas vu ta main. Bon, j'en ai filmé aucun des deux.
ont gagné. Les vainqueurs arrivent. Bien joué. Content, on gagne la finale. Malheureusement, on ne sera pas sur le podium à cause d'un vote sur celle qui nous a pourri. Mais bon, c'est le jeu du sport. Gagner la finale. Ouais. Vous avez gagné deux events, c'est cool. De loin, on a gagné. Ouais. Vous avez baisé. Un peu déçu d'être sur le podium, je pense qu'on méritait, mais les juges se sont acharnés sur nous à un moment donné.